Savez-vous que le miel et le feu lui rendra très doux et trois fois plus amoureux de vous? Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Le miel et le feu lui rendra doux et trois fois plus amoureux de vous. Il vous faut une bougie rouge, un pot avec couvercle, du papier avec son nom complet écrit. Alors, dans votre pot, vous allez ajouter une bonne dose de miel, comme vous voyez là. D'accord? Il vous faut également de l'alcool. D'accord? Alors, vous allez venir ici là, mettre suffisamment du miel, comme j'ai dit, dans votre pot. Vous allez prendre le papier, écrire son nom complet, comme j'ai demandé également. Vous allez le plier toujours vers vous en trois fois, comme ceci. Donc, regardez, une, deux, et puis trois. Toujours en le visualisant. En visualisant la personne, sachez bien que les rituels ici se font de homme à femme, femme à homme, homme à homme, dépendant de votre sexualité, ok? Une fois plié, vous allez le mettre dans votre miel, d'accord? Ensuite, vous allez venir ici rajouter de l'alcool, l'alcool que vous avez, ok? Ensuite, vous allez allumer. On va l'allumer comme ceci. Voilà. Pendant que votre papier est en train de brûler, vous prononcez son nom, vous parlez, vous faites vos décrets avec détermination, vous frappez, vous demandez, toi, XL, le nom que vous avez écrit là-bas, que tu sois doux avec moi, que tu sois gentil, qu'à partir de ce moment précis, que tu sois fidèle à moi, que tu me chouchoutes, que tu me caresses, que tu me. Tu fais tes degrés à toi. Tes degrés à toi, c'est ce que toi, tu attends de cette personne-là. Parce que moi, je vais te dire, c'est chacun qui sait ce qu'il veut et ce qu'il attend de l'autre personne. Donc, c'est à toi de savoir exactement ce que tu veux. Donc, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Prenez vraiment le temps pendant que la flamme est là, parce que c'est ça. Le feu et le miel, d'accord? Vous parlez, profitez, nanani, nanana, blablabla, blablabla, sortez ce que vous voulez de cette personne dans votre cœur. Toi, X machin, viens m'épouser, viens ceci, viens nanani. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Voilà, au fur et à mesure, elle s'éteint. Une fois qu'elle est éteinte, elle s'est éteinte, vous allez tout simplement prendre son couvercle, attendez qu'elle refroidisse un tout petit peu parce que moi je ne vais pas attendre. Et vous allez le fermer. D'accord? Vous allez bien le fermer. Attends, il faut attendre qu'elle refroidisse un peu parce qu'elle chauffe avant de le fermer. Une fois que vous avez fermé votre pot, d'accord? Vous allez venir ici là, la laisser devant votre bougie pour que votre bougie termine de la. De se consommer. Si c'est une grande bougie, vous allez attendre longtemps, mais si c'est une petite bougie, elle se consumera très très vite. D'accord? Une fois que la bougie a terminé de se consumer, vous allez prendre ça et vous irez le garder dans un endroit obscur. D'accord? Et attendre tout simplement que la magie opère. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite. Total, et chauffe tellement que je ne peux même pas vous le montrer.